On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là, on est là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas tous ceux qui vont au charbon, s'entassent dans les wagons et bossent sans protection, on n'oublie pas. On est là, on est là. Moi, ce que je voudrais parler, c'est de ce qui se passe en ce moment et du fait qu'on soit tous confinés, du fait qu'il y ait eu à l'Assemblée nationale une commission spéciale qui nous a imposé 60 heures de travail. On va dire le temps d'état d'urgence, mais bon, on sait ce qu'ils font avec leur loi d'état d'urgence. Et du coup, moi, je suis révolté, parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas... 60 ans, ils viennent de casser encore plus le code du travail, ils viennent de le détruire, de le piétiner. Et je trouve ça ahurissant. Et par rapport au professeur Raoult, c'est un des seuls qui a vraiment suivi ce que disait l'OMS, c'est-à-dire de tester les gens. Voilà, c'était vraiment le truc de base quoi, pour un confinement. Enfin, même pour essayer d'éviter un confinement, ça aurait été de tester les gens et de confiner ceux qui étaient testés positivement. Et donc, à cause de cette incurie du gouvernement, on se retrouve tous confinés. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de réponse en fait politique à ce soulèvement international, même si le Covid existe, hein, enfin, on ne va pas le nier. Mais je me demande si les mesures qui sont prises par le gouvernement. Ce qu'on peut
Ce qu'on peut observer, c'est que, évidemment, dans nombre de pays, les exécutifs divers en ont profité pour déclarer un état d'urgence, s'arroger quand même d'une certaine manière les pleins pouvoirs, sous contrôle du Parlement ou pas d'ailleurs, dans certains pays, même si bon, ça serait trop long à développer. Depuis le quinquennat de Macron, c'est hallucinant et j'espère que le peuple va se réveiller, quoi. Les 60 heures par semaine, j'espère que ça va réveiller les Gilets jaunes et ça va aussi réveiller les autres qui sont leur soutien. Qui trouvait bien qu'il y a des gens qui essayent de défendre un petit peu l'intérêt général, j'espère qu'ils vont se ramener eux aussi, parce qu'on est tous touchés, quoi. L'acceptation de l'imperfection, l'acceptation de l'imperfection, l'acceptation du doute, l'acceptation du questionnement, mais il y a plein de gens que ça fait fuir. Même, tu sais, je suis sûr que pendant cette période de confinement, tu vas voir les taux de suicide. Et de meurtre ? Peut-être pas de meurtre, je pense. Plus de suicide que de meurtre. Moi, je suis pas sûr. Et de divorce. Tous ces gens-là que la société, elle impose à courir en avant pour pas se poser les bonnes questions, leurs propres questions existentielles, il y a 80% de la population qui fuit ces questions existentielles en permanence, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes ces merdes qu'on nous invente là, tu vois. Mais parce que dans cette société aussi, dès que tu te poses des questions existentielles, t'es marginal. Le questionnement individuel de quel est l'auxiliaire important dans ma vie, c'est être ou avoir? Ce qui est important, c'est plus être, c'est avoir. Parce que avoir te fait exister maintenant. Qu'est-ce que tu filmes, Hervé ? Les coudes. Je filme que les coudes. Attends, s'ils n'ont pas dit pour les masques, c'est bien pour une raison, c'est qu'ils ont fait exprès. Pour les médicaments, pour tout. Hein. Pour le personnel. Ils ont fait de la maille pendant 10 ans. Pour faire des économies de leur budget. Sauf qu'ils captent tout. C'est ça qu'ils font. Il n'y a pas si longtemps, les infirmières, elles se faisaient frapper par les CRS en gilet jaune. Les pompiers, les infirmières, tout ça, il n'y a pas si longtemps, ils se faisaient cramer. Le gouvernement actuellement, et avant la crise du coronavirus, il allait emprunter sur les marchés pour payer les retraites des fonctionnaires. Il est aux abois, notre gouvernement. Oui, mais non, parce que la dette, ça leur fait rembourser, ça leur fait gagner de la thune, la dette. Ah, ça, c'est tu vois, ils font marcher les marchés. Faire marcher le marché, ça fait marcher. Ça fait marcher. Quoi ? Faire marcher le marché, ça fait marcher ? Ben, ça fait marcher. Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, je connaissais Georges. Georges marchait. Il n'y a jamais eu autant d'argent. En Europe, il n'y a jamais eu autant d'argent. Pourquoi ils veulent pas la lâcher, cette putain de dette ? Oui, ce serait facile de dire à tous les États, zéro pour tout le monde. Plus ils baissent les services publics et plus la dette elle augmente. Mais bien sûr. Il y a un truc qui va pas là. Mais je le sais. Parce qu'ils captent la maille. Je sais. Parce que c'est la haute bourgeoisie. Et puis ça va lâcher les actionnaires. On est encore à l'époque de la monarchie. Ils vont pas lâcher la monarchie. Ils ont décapité les rois pour prendre leur place, point barre. Alors je vais te dire un truc, tu n'as pas tort. Parce que hier, le président Macron, il a fait un petit discours, et les termes qu'il a employés, c'est souveraineté, souveraineté, souveraineté. Et la souveraineté, c'est de l'ordre de la monarchie. Tu te rappelles Louis XVI, quand il sortait, qu'il avait toute la cour devant lui, hein ? Toute la cour, c'était la cour du roi. Bon, ben, c'est la haute bourgeoisie, ça. Maintenant, c'est la République. Ils ont changé de... Mais c'est pareil, c'est les mêmes. Mais je sais que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ça vole. Mais c'est les mêmes. Ça vole. C'est la haute bourgeoisie. C'est de famille depuis des centaines d'années qui gardent bien ça, qui en plus... C'est toi, t'es là, hop, tu bien leurs enfants plus. Dans les mêmes écoles Ouh. Et qui s'assurent que le peuple n'accède pas à ça et qui gardent bien ça pour eux. Voilà, je le sais. Voilà. Mais Nicolas. Pas de gros plans. Hein. Non, mais je filme aucun visage. Bon, d'accord. Et je prends que le son. D'accord. C'est le son qui m'intéresse. Un mauvais acteur. Quoi, tu vois. Ah, mais j'ai plus de... On est là, on est là, confinés, révoltés, nous on est là, on applaudit les soignants, mais pas le gouvernement.
Après, je sais pas. Ah. Après, je m'en rappelle plus. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement.